La construction d'une Europe nouvelle est une démarche positive pour les uns, négative pour les autres. Alors qu'on parle d'un fossé grandissant entre l'Europe et sa population, les responsables politiques font face à un défi majeur, mais dans certains pays, l'intérêt pour l'Union atteint des niveaux records. Il y a des inconvénients, mais les avantages sont plus nombreux. C'est beaucoup mieux. Je pense que la plupart des Maltais préfèrent que l'on fasse partie de l'Union européenne. Malte fait des envieux au sein des États membres qui ont du mal à intéresser leurs citoyens à l'Europe. D'après un récent sondage Eurobaromètre, 81% des Maltais se sentent européens. Ils se placent juste derrière les Luxembourgeois qui détiennent le record. La Bulgarie, la Grande-Bretagne, Chypre et la Grèce affichent les plus mauvais scores. S'il y a 10 ans, à Malte, l'adhésion n'a été approuvée par référendum qu'à 53%, reste que le scrutin européen lui-même mobilise. Lors des élections de 2009, l'île a enregistré la plus forte participation parmi les pays où le vote n'est pas obligatoire. Cette jeune femme travaillant dans les relations publiques est une grande europhile. Je pense que ce qui plaît, c'est cette idée d'échanger avec des étudiants et des citoyens à l'étranger qui s'intéressent aux mêmes choses que vous et qui veulent voir réussir l'Europe, l'idée européenne. Quand on parle de ces sujets avec d'autres Européens, ce sont les mêmes choses qui ressortent. Les gens de Malte ont les mêmes goûts, les mêmes problèmes et les mêmes idées que les autres à l'étranger. Vivienne a participé à Malte à l'un des dialogues avec les citoyens organisés par la Commission européenne depuis le début de l'année à travers l'Europe. Une manière pour Bruxelles d'alimenter au niveau local le débat sur l'avenir de l'Union. En tout cas, le sujet intéresse déjà ici. Évidemment, il y a des difficultés à court terme dont il faut s'occuper, mais c'est bien d'être État membre, de faire partie d'une grande famille. C'est avantageux d'avoir à nos côtés des économies de grande envergure. Il y a les impôts, on a augmenté certains impôts. Mais c'est une bonne chose parce que l'Europe nous a aidés en matière d'emploi et d'infrastructures. Beaucoup de choses ont été faites à Malte grâce à l'Europe. On a progressé un peu du fait que nous devions nous conformer à certaines réglementations et législations qui sont bénéfiques pour le pays. Je n'ai rien contre les populations, parce que nous sommes tous européens. Mais je pense que l'Europe est un club pour les riches et que Malte ne se débrouille pas bien du tout depuis son entrée dans l'Union. On n'a pas bien fait les choses, le coût de la vie a augmenté. Même s'il a mené campagne contre l'adhésion il y a 10 ans, le Premier ministre maltais s'est engagé à défendre la place de son pays en Europe. D'après les experts, les avantages économiques pour cette île de 420 000 habitants sont indéniables, si bien qu'aujourd'hui, il existe un consensus au niveau politique sur l'appartenance à l'Union. Je pense qu'il y a un lien entre la performance économique du pays et le soutien de la population à l'Europe. Et en l'occurrence, l'économie maltaise ne s'en est pas mal sortie. D'après moi, la situation est plutôt bonne. Et ça explique, du moins en partie, pourquoi le soutien à l'Europe est aussi fort ici. Les Maltais sont plutôt europhiles, et ce malgré les inquiétudes grandissantes au sujet de l'immigration illégale, un domaine dans lequel Malte est malgré elle aux avant-postes en Europe. Cet intérêt pour l'Union peut aussi avoir une autre raison, la forte présence de la politique dans la société maltaise. Beaucoup estiment à l'échelle européenne qu'il faut encourager le débat et entendre les préoccupations des populations, mais aussi mieux informer sur les droits et leur intérêt pour les citoyens. Même ici, dans les enquêtes, les Maltais disent ne pas en savoir assez sur leurs droits. Dans la capitale, La Valette, des entrepreneurs participent ce jour-là à une réunion d'information de la Commission européenne. D'après son représentant sur l'île, la clé, c'est de s'adresser à des groupes bien spécifiques.
Ça ne sert à rien de parler à tout le monde sur tous les sujets tout le temps. Ça revient à parler dans le vide. Donc on essaye de viser des petits groupes sur des thèmes particuliers. Dans le cas d'entrepreneurs, on peut leur expliquer comment obtenir des financements. S'il s'agit de professionnels du tourisme, on peut leur montrer les avantages de l'assurance maladie. Avec les jeunes, on peut évoquer la réglementation des frais d'itinérance pour les appels internationaux. D'ici les élections européennes, Bruxelles devra en tout cas tenter de balayer une idée reçue. 67% des Européens estiment que leur voix ne compte pas dans l'Union.